Je m'appelle Marcello Vitali Rosati, je suis professeur agrégé au département de littérature des langues françaises ici à l'Université de Montréal et le titre du livre est l'édition à l'ère numérique. Le livre a été coécrit par Benoît Éperon et moi-même, donc c'est le fruit d'une collaboration, d'une écriture. L'idée du livre est de penser ce qu'est l'édition à l'ère numérique sans opposer l'édition numérique du reste de l'édition, par exemple l'édition papier ou ce qu'on appellerait l'édition traditionnelle. Tout devient édition aujourd'hui et même soit l'édition des livres papier, soit l'édition de plateformes en ligne, Wikipédia, Facebook, tous les contenus que nous pouvons produire passent par des chaînes numériques. Le livre voulait mettre en question l'idée qui est d'un côté des maisons d'édition qui font un travail d'édition et de l'autre côté une série de contenus qui sont publiés sans fonction éditoriale. Il y a de la fonction éditoriale, donc il y a de l'édition aussi en dehors des maisons d'édition. Par exemple, alors qu'on publie un post de blog, un billet de blog, ou alors qu'on édite des contenus sur Wikipédia, il y a une fonction éditoriale, c'est ça que le livre veut mettre en avant et démontrer. Cette fonction peut être comprise et analysée dans la continuité de notre tradition éditoriale qui remonte à plusieurs siècles. Le livre s'adresse d'abord à des curieux sur ce qu'est l'édition numérique aujourd'hui, évidemment des étudiants et des praticiens dans les domaines de l'édition.